Elle est dévastée. Pendant des années, je n'ai rien connu d'autre. Mon monde détruit en quelques heures. Je n'entends pas d'oiseaux. Je n'ai jamais connu l'étreinte si calme, si morte.
Une autre bataille. Une autre défaite. L'éclipse a tout piétiné. Reste tranquille. De l'éclipse. C'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront en sécurité. Je ne pourrai plus attendre la trappe. Sona, ils sont vivants. On a juste aidé. J'ai cru qu'on allait mourir. Aloy, ton exploit me rappelle les vieilles histoires. Un autre des mondes métal. Tu as sauvé la tribu. Là où les braves et chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? Pour l'instant, mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance.
Combien y a-t-il de survivants ? Presque toutes les matriarches. Et beaucoup de familles, bénies soit la déesse. Quant aux braves, quelques-uns. Mais la plupart sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Karja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres. Mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de porte-morts et de corrupteurs, et d'autres machines, rendues folles. On a tenu. Ils ont reçu des volées de flèches. Mais non. Rien ne les arrêtait. Finalement, on s'est replié aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts. Et les survivants ont refusé vers la montagne. Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne ? Normalement, seuls les matriarches peuvent y entrer. C'est Tirsa qui a brisé le tabou. La survie de la tribu était prioritaire. Lansra, elle n'était pas d'accord. Et personne ne l'écoutait vraiment au milieu des cris et des pleurs. La décision de Tirsa a sauvé des vies. Tant mieux. Le bon sens n'est pas la qualité première des Nora. Tes blessures sont graves ? Les bleus s'effacent. Les os se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl. Est-ce que tu vas bien ? J'ai mal partout. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elles. Alors ? Pourquoi ? Tu verras. Aloy ! Oh, tu es revenu. Teb ? Toute mère, je t'en prie. Oublie mon oncle et ses méfaits. Il ne mérite pas ton attention. Bien. Tu es enfin de retour. Non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible ? Par la volonté de la Toute-Mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy ? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal ? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. Lansra, écarte-toi. Ton temps est terminé. Je te ferai pas de mal. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis l'éclosion, c'est qu'il existe des choses bien pires au monde que toi. Oh, enfin. Attention, identiscan. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue dans le berceau 9.
Je vois que tu es entrée. Je me disais bien que j'aurais de tes nouvelles. On s'y remet? J'ai jamais arrêté. Alors c'est ça, Illity. C'est ici que je suis née. Que tu as été créée. Un jour? C'est ce que tu dis à chaque fois? On veut plus attendre! Oh, c'est grand en bas! Allez, papa! Les enfants, cette zone n'est pas encore accessible. Sur lui! Agression physique détectée. L'agression physique n'est pas autorisée. Excepté pour toi. Satite sentinelle! Les enfants, avez-vous besoin d'assistance? Dégage, la soigneuse! Léna, tu souffres de légères contusions. Il n'aimait pas trop cette porte, on dirait. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Tu trouves ça étonnant? Confirmé. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue dans Lycéum, un lieu d'apprentissage. Et donc, c'était quoi ici, exactement? Le rêve d'Apollon. Jamais réalisé. Mais pourquoi? Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Appelons Orline. Comment ça, Orline? Tu avais raison, Aloy. C'est un cimetière. Le tombeau du savoir. Imagine tout ce que nous aurions pu accomplir en y accédant. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Mais c'est pas pour mais ça que je suis venu. Je comprends. Qu'est-ce que l'ensemble des connaissances humaines à côté des... Ça a l'air important. Oui. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a 3 microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes, de nature hautement instable. Hein? Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation. Et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hades ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps, mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final totalement s'effondrer. Il parle du dysfonctionnement. Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryostocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobek, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique, quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme, de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu.
En réaction à ma décision d'autodestruction, Hadès a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous. En place. Ils. Tous. Prennent la fuite. Où vont-ils? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si. Le registre alpha du complexe Berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hadès. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hadès n'est pas éradiqué. Hadès doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as deux, une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Née dans le feu. Et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Erreur de l'identiscan corrigée. Itinéraire. Complète. Accès débloqué. Ça risque d'être intéressant. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé? Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je suis née pour combattre un fléau, pour tuer un démon de métal. Comment, alors? Comment? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créé. Alors, oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Debout. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. D'abord vous me bannissez, maintenant ça. Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élu. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridian et attendez-moi là-bas. Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra. Nora, faites place à Aloy. Faites-lui place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. Hmm.
meurtriers ont essayé de nous détruire. Mais nous, les Nora, sommes coriaces. Ce sont ces mécréants qui... Je vis depuis bien longtemps. Mais je n'avais jamais rien vu de pareil. Tirsa avait raison. Tu es une bénédiction, pas à l'inverse. Mais nous ne savions pas. C'est le sang de notre tribu férine de leur vie, leur profanation. La toute mère lui a parlé. C'est la vérité. Chasse.
fin de la chasse. À l'attaque. Ça se gardera. Ça peut servir.
On sait jamais, ça peut servir. Le chemin jusqu'au sommet va être dur. Tu croiseras des machines cruelles à chaque tournant. Corrompues ? Non. Mais elles ne laisseront pas passer un humain. Parce que d'habitude, oui. Des traqueurs dans la lande et des veilleurs de l'autre côté. Thank you.
sens. Elle pense peut-être défendre Gaïa. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Ça me crispe toujours. Je vais devoir me battre. Ah.
Je crois que j'y suis presque. En effet. De Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu? En partie. Tu verras. Tu m'as préparé un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines? Depuis quand les machines t'empêchent de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Regarde pas en bas, regarde pas. Exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans. Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi, tu es là. On dirait que tu as passé beaucoup de temps ici. Il y a 19 ans, une énorme explosion a détruit cette montagne. La mort de Gaïa, ta naissance. L'écho a résonné jusqu'à la roquette. Les cendres ont assombri les cieux. Les habitants de Méridian étaient terrifiés par ce présage. Les flammes étaient immenses. Une fois éteintes, j'ai été le premier sur le bord du cratère. Peu à peu, les machines sont venues pour le protéger. Ça m'allait. Plus personne n'osait s'approcher. À part moi. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la relancer, mais quand on voit les dégâts, je vois pas comment. Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hadès avant d'essayer de la réparer. Elle a raison. Sinon, Hadès pourrait se servir du nouveau système de terraformation comme d'une arme. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins pratiques. Mais tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa ? Tu sais ce que les Creusets peuvent faire. Ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine. De la même façon, ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer Gaïa. Mais ça prendrait des années, et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures. Je pensais que tu serais là cette fois-ci. Vraiment là. Pourquoi ? Ma présence n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte. C'est toi qui es né pour ça, pas moi. Bon, je crois qu'il est temps. Oui.
Quand tu auras trouvé le système de sécurité, tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Regarde où tu marches. Je vais devoir passer par là. Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein? Eh bien... Non, ne dis rien. Ça, c'est fait. Pas par là. Je devrais essayer par le haut. C'était sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand-chose. À l'époque, tout ça était entouré de roches et de métal. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanley. Le focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hadès et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Elisabeth. Qu'est-ce que c'est ? Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message à 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès.
À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les cerveaux moteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors, en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vide calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va, ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça, on a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bonne balade, Lise. Aloy ? Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi... est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre ? S'il te plaît, juste un instant. Arrête de réfléchir et écoute tes émotions. Elle s'est sacrifiée pour ses amis, pour le futur, pour la vie sur Terre. Ce qu'il y a de généreux dans son acte, ça ne te fait rien du tout. Tu veux voir dans sa décision quelque chose de mystique. C'était un choix rationnel, pas un acte basé sur les émotions. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie, des armes contre le désespoir. Sans ses émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies... perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être... Quoi ? Rien. On continue.
Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Examiner le projet. Et la solution est simple, en fait. Propre. Net. C'est l'effacement. L'addition par soustraction. Je peux arranger les choses, Lisa. D'une seule action, je peux tout effacer. Je n'aime pas du tout la dimension que ça prend. Un individu pris d'un délire mystique, c'est classique. Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant. Je n'ai plus accès au système. Autorisation alpha annulée. C'est quoi l'autorisation oméga? Oh non. Personnel alpha. Ne paniquez pas, mais... je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir. À notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents. Des esprits purs et irréprochables. On va leur donner le savoir, comme si c'était un don. Ted, on en a déjà parlé 100 fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie? Non, je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice... Ted. Ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant si, Samina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout à voler. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis. Mais parfois, pour protéger des innocents, d'autres doivent mourir. Ceci est une alerte.
Il les a tués. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse. Tout ce que ces gens avaient accompli. Tout le savoir des anciens. Évaporé. Réduit en poussière. Renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Sécurité ne te rattrapera pas. Éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Tu es... là ? Pas pour longtemps. Quoi ? C'est maintenant que nos chemins se séparent, Aloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais... travaillé pour l'Éclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès, Aloy, enfoui dans cette montagne, dans cette épave de titan. Et je l'ai aidé. Quoi ? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de ? J'ai aidé à créer l'Éclipse. À fonder une secte, une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridian. La flèche. À ton avis, pourquoi Aloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ?
Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharaons en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'éclipse, les robots qu'ils ont réveillés, il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Oui. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu ne l'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'éclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Alors vas-y. D'abord, ce focus. Que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave, à la nécropole par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde, ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche ? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Et les Karjas de l'ombre ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? La guerre civile des Karjas est tombée à point nommé. Une occasion parfaite. Une occasion ? C'était ça, pour toi ? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridian la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler. Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahavas. Elis aussi était présent. C'est ainsi que l'éclipse est née. Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridian. Mais Hadès n'avait que faire de Méridian. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruines et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis, j'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Un défi technique passionnant, particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. Pourquoi tu as retourné ta veste ? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveillée d'anciennes machines avec ma technologie. Alors j'ai questionné Hadès sur ses intentions. Un peu tard. C'est vrai. Et je ne lui étais plus d'aucune utilité.
Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Et à quel moment j'entre en scène? Pourquoi je t'intéressais? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détecté. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille, Nora? Quelle importance pour Hadès? Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille, Nora, portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Elise a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrais enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais, Aloy. Ce que tu as fait au nom de la connaissance, Silence, c'est de l'inconscience. Aloy, je ne t'ai pas tout raconté pour que tu me juges. C'est pas croyable. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité, et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça? Exactement. Ah, pas de problème. Silence! Tu vas aller où? Ailleurs. Et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là, en attendant. Je dois prévenir Avad que l'éclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Je dois prévenir Avad que l'éclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche...